Et voilà qui s'élance donc pour cette nouvelle épreuve. Il s'agit du prix de la clinique équine de Nedumène pour se battre sur la distance 2200 mètres avec le groupe Landsverbering qui s'est tout de suite encore du loin. Alors qu'à l'extérieur, bien relié de Stop Serenity qui n'est pas loin avec Bramon on the Corn, qui tourne le progressement devant Telino Michou. Alors qu'on est à l'arrière-garde et qu'on ferme la marche du peloton avec Dantilidi qui est un petit peu attardé. Les concurrents qui vont aborder le tour dans le début de l'année d'en face et toujours groupe Landsverbering qui envoie une épreuve et une allure très régulière. Relié de Stop Serenity vient souvent de position. Norton, Peter Pan est également. De Corbett qui porte la casaque Augustin Madame et également au centre du peloton. Chronologue Corne est relégué en avant-dernière position. Alors qu'on ferme la marche du peloton avec Gamin des Vallons et également avec Usserton Bandora. Les concurrents qui vont aborder donc la ligne d'en face et toujours la même impulsion d'être les mêmes aux avant-postes, c'est-à-dire Brooklyn Farmbarini depuis le début de l'épreuve. Alors qu'à son extérieur, on retrouve Rayton Serenity. Norton, Peter Pan vient là également en bonne place juste devant Michu qui est là également et qui tente de progresser. Les concurrents sont dans la fausse ligne droite, ils vont maintenant aborder le tournant final. Il va falloir les encourager et faire du bruit dans la dernière ligne droite alors qu'on a dérangé avec Brooklyn Sommerinia qui a une chute également. Or il y a Tom Serenity qui a l'avantage dans la dernière ligne droite et qui va tenter de repousser toutes les attaques et qui repart de plus vers maintenant. Nous on se fait de plus en plus pressant à son extérieur et on vient prendre davantage maintenant aux abords du poteau avec Usserton Chita qui réalise un numéro et qui s'impose dans cette épreuve de longueur d'avance sur le 8 Arlington Serenity. La troisième place sera pour le numéro 9, Diablotin d'Aubry.